Bonjour, ici Véronique Lajoie et Roch Giguère, deux jardiniers passionnés. Bienvenue à cette capsule de passionjardin.tv. Alors Véronique, aujourd'hui, on va parler des contenants. C'est quand même un sujet important dans le sens que beaucoup de personnes maintenant fleurissent ou décorent leur jardin et leur demeure en contenant. Oui. Alors on va peut-être parler en premier de qu'est-ce qui est important pour un contenant? Oui, tout à fait, parce que lorsqu'on entre dans une jardinerie, il y a plusieurs sortes de contenants, vraiment une grande panoplie, dont deux différents, des contenants avec des trous et des cache-pots. Ah, c'est très important, hein, parce que si on a un cache-pot, on n'a pas de trou de drainage, donc ça évacue pas l'eau de pluie, le surplus de l'eau de pluie et le surplus de nos arrosages. Donc, si on fait ça, on peut mettre de la petite pierre dans le fond, mais c'est très difficile l'arrosage, donc c'est, si on cultive à l'extérieur, presque à faire un trou. Donc, on va en montrer un ici, hein, c'est un peu cet exemple-là, le trou dans le fond, qui va permettre l'évacuation de l'eau. Alors là, on a différents matériaux aussi hein, au niveau des contenants. On en voit ici, En premier lieu, le traditionnel terre cuite. Oui, bien, quand tu dis traditionnel, tu penses à moi, là. Alors, c'est ça. Bien, on a le pot de terre cuite qu'on se servait beaucoup auparavant. Pourquoi qu'on se servait de ce pot-là? C'est qu'il respire, puis il laisse l'eau sort et ça sèche rapidement. Alors, si on a des plantes qui ont besoin d'être d'une culture sec, alors là, on a vraiment le pot idéal. Donc, c'est pas toutes les plantes qu'on peut mettre dans le... Non, parce que là, si on... Je sais, toi, tu pars la fin de semaine, tu sais, puis... Ta belle-mère veut plus arroser, il paraît. Et non, c'est ça. Alors là, t'es mieux avec un pot d'une autre nature. D'accord. Donc, peut-être un pot de plastique. Oui, le plastique, hein, parce que le plastique, ça ne respire pas. Alors, on va garder notre eau et la terre. Et en plus, il y a des pots maintenant qui contiennent une réserve. Hein? C'est ça. Ici, j'en ai un avec une réserve d'eau. Donc, pas besoin de belle-mère ou de maman, de voisine pour arroser mon pot. Oui, ça va durer à peu près, 4-5 jours, sans doute, là, tu sais, avec capillarité, alors ça va monter. S'il pleut, on n'a pas besoin, tu sais, tout ça. Et j'ai un autre pot de plastique à te montrer, Roch. Oh. Celui-ci, très joli, couleur tendance, mais là, on voit qu'il n'y a pas de trou dedans. Ah, OK, hein, pas de trou ici, donc, faut le faire, hein, faut percer le trou. On a du bois aussi, hein? Oui. Alors, explique-moi où ça peut aller en bois. Bois, bord de fleuve, champêtre. Ah, campagne, c'est ça. Alors, on voit qu'à peu près chaque matériel a son utilité et l'affinité, hein, tu sais, avec la nature et tout ça. Il y a aussi le métal. Et j'ai oublié le métal. Ça, petit problème, parce que ça chauffe beaucoup. Tu sais, il faut toujours penser que quand il fait soleil, hein, tu sais, alors là, il y a certaines... matériaux qui vont se réchauffer plus vite et c'est pas très bon pour notre plante. D'ailleurs, si on a, supposons, une plante comme ça, on va la mettre à côté d'un gros pot pour faire un peu de l'ombre sur notre petit pot. C'est un bon truc, éliminer la chaleur. Parfait. Et là, on va parler des couleurs. Bon, bien, quelle couleur que tu préfères? Hey, là, on a, hein, tu sais, vous avez le choix, hein? Il y a beaucoup de couleurs. En fait, ma couleur préférée, je te dirais, c'est le turquoise. Oh! Ici. Mais le rouge est très, très présent cette année dans les jardineries. Ça va donner un éclat, ça va faire été, rouge-orangé. D'ailleurs, on dit un peu qu'on est crazy, hein, tu sais, on est, hein, c'est maintenant. Alors, on voit ici une belle pétunia noire, hein, ça se prête bien. Alors, on pense toujours black and white, contraste. D'accord. D'ailleurs, on a d'autres plantes ici, hein, on va voir ce pétunia jaune-là ici avec le noir. Alors, on voit vraiment, tu sais, que ça fait une belle composition, un beau contraste. Super joli. Et là, tu me parles de black and white. Est-ce que je peux te montrer quelque chose, Roch? Oh boy, hey, tu me feras pas acheter ça, par exemple. Non, mais c'est correct. Il n'y a de limite que notre imagination quand on fait nos contenants. Le petit conseil écolo de cette capsule. Alors souvent, hein, on a notre pot de l'année dernière qu'on veut réutiliser. Alors on le voit ici, hein, il a servi. Mais là, lui, là, les spores du champignon de la plante qu'il y avait l'année passée est là-dedans. S'il y a eu une maladie, on ne le sait pas. Alors, il faut le nettoyer. Il peut y avoir eu des insectes aussi qui ont passé l'hiver. Donc, on prend une eau savonneuse avec un savon biologique et on va nettoyer notre contenant. Très bon conseil. Et voici. Alors, c'était Véronique Lajoie et Roch Giguère qui vous souhaitent bon jardinage.